Yanga Waben, Thomas, Mariam, bonjour. Bonjour à tous, ça va? Bonjour Elidia. Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Moi, ouais, je vais super bien. Ouais, donc aujourd'hui, on est dans la cuisine de Mariam, dans ma cuisine. Et moi, je veux faire un petit kebab aujourd'hui avec un poisson, on va dire un poisson européen. N'est-ce pas? Mariam, qu'est-ce que tu cuisines? Il a un visa, ton poisson, pour que tu dises c'est un poisson européen? Bah, il est bizarre, le poisson-là. Hein. Je te le dis, Moi, ça va être un poulet rôti aujourd'hui. Poulet rôti? Moi, ça va être un poulet rôti aujourd'hui. Oui. Ok. Bon, Sadio. Oui, Elidia. Sadio, il faut Marakaya folie là. Amro. Toro Sundinga. Lumbu. Toro Sundalemununga. Toro Sundaka Dungonga. Ah, vous êtes là, Marakaya, vous avez Karunga Kibaru. Karunga Tarani Moga Fere. Est-ce qu'on n'a pas Europe? N'a pas Europe? N'a pas Europe? Non, mais on a dit que c'est un matériel spécial pour Gane. Ok. Bon, à Fouania, on a dit. D'accord, ok. Merci beaucoup, Elidia. Bonjour, Mariam. Bonjour à tous les abonnés de RP Média. Donc, de surprise en surprise, aujourd'hui, la grande matinale a décidé de mettre le cap sur un endroit assez insolite. Donc, ce matin, on a Bamako après quelques jours à l'intérieur du Mali. Donc, on va continuer à montrer les coins que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Voilà, ce matin, on est sous Nungura là, singulièrement avec le forum Mako Kundiki Souni. Donc, tout ce qu'on pourra trouver pour nous apprendre quelque chose sur la beauté, sur les accessoires, sur tout ce qui est perlage, tout ce qui est encens, tout ce qui est tatouage. Donc, ce qu'on va dire, on va la Elidia. Ok. Amekoun. Bon, maintenant, on va faire tourner Amekoun. Amekoun, Mariam, tu as déjà été là-bas là, pour te faire coiffer? Non, ma j'ai déjà été, mais non, j'ai déjà été, mais ça fait très longtemps. Ah, bon, madame, je vais vous dire que madame de la Kassé. Si, j'ai déjà été, mais pas pour me coiffer. Mariam, j'ai été pour accompagner quelqu'un. Gawadé, Nédo. Hé, Elidia. Némawa. Mariam, Gawadé. N'est-ce pas, hein? On va régler ça après. On va régler ça après. Non, mais tu sais que tu peux pas me battre sur le terrain. T'es sûr? Ouais. J'espère que tu as mis ton armure parce que je vais pas te rater. Hein. Ah, moi, je suis prêt. Hein. Je suis prêt. Non, mais allez, le marché, ouais, donc, est-ce que vous organisez les deux? Est-ce qu'il y a une association? Est-ce que vous dites là pour là? Voilà, donc je pense qu'il y a une question posée sur Djarani. Effectivement, dans le cadre d'émissions préparatives là, donc en temeling à Ningali Poloke, donc il y a un peu de souvenirs qui nous ont maintenant, en anglais, nous avons dit là. Donc, vous organisez les Fernando, donc nous nous pouvons dire que nous sommes Bassirou Clan. Donc, organisation d'Obé à nos selon. On dit les domaines. Donc, après, tu es en train d'organiser le Nakuma Renéval. En tout cas, il y a un aménagé qu'on gagne. Il y a un chaman qui est comme quoi. Donc, c'est parti. Nous allons découvrir le reste des réalités aussi. Voilà. Ça, c'est un peu le gros plan. Ça, voilà, comme vite. Vous pouvez voir. C'est un peu vétuste.
C'est ça. Avec les moyens du bord. Donc, amène sur le mur à la vie. Amène à monsieur Abundo. Amène à l'air à donner une fois la vie. Abonnez-vous. Oui, Elija. Oui. Mm-hmm. Ok, vas-y, le temps que tu l'appareil, vas-y. Bon, Mariam. Oui. Mariam, qu'est-ce que tu voudrais savoir aujourd'hui? Bah, moi, il y a une question qui m'importe beaucoup dans le contexte actuel, là, à savoir quelles sont les mesures qui sont prises par rapport au coronavirus. C'est vrai qu'on est dans un marché de beauté, donc la beauté, ça veut dire que bah on touche les gens. Il faut toucher leurs cheveux, il faut toucher leurs mains pour mettre le henné. Et est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les mesures barrières qui sont appliquées ou pas du tout? Est-ce que les vendeuses sont au courant de l'impact de ce virus-là? Quelles sont les conséquences et qu'est-ce que ça apporte en fait? Tout le côté prévention, est-ce qu'elles ont été prévenues? D'accord. Mais au-delà de ça, après l'économie des cosmétiques, c'est une économie qui est très, très développée. Mmh. Donc, y a une question qui est importante. Est-ce que les hommes ont leur part dans les cosmétiques aussi, au Mali? Oui, allô? Anis Roma. Somoro Obedi. Le micro est coupé, on n'entend rien, moi. Anana Baroka Oufé. Mariam, tu n'entends pas ce qu'elle dit? Mariam, aïe, mets ta commande en effet. Mariam, est-ce que tu entends? Non. Mariam, est-ce que tu n'entends pas? J'entends Sadio, mais je ne l'entends pas. Ok. Neba, à fond, Sadio, il faut encloter et la cagne. Comme on nous met dans la guerre pour cloter et la. Neba. Bon, on est dans la main. Voilà, on est dans la main. Là-bas. Ouais, c'est ce que j'entends. Je crois que peut-être que le micro n'est pas bien branché. D'accord. Bon, t'as déjà été dans ce marché-là, Edijan? Oui. T'as déjà été? Allô? Non, ça va pas, là, il y a un bruit. Il y a un souci. Ouais, au niveau du son, là, ça passe pas. Bamako, là. Au niveau du son, ça passe pas du tout. En fait, Sadio, il faut mettre le micro. Allô? Oui? Non, il y a un écho derrière, là. En fait, Sadio, je Elijah, ton micro.
Voilà, on n'avait pas, on n'a rien entendu de ce que tu as dit, tu avais coupé ton micro. Hein? On n'a rien entendu de ce que tu as dit, tu avais coupé ton micro. Oui, j'avais coupé mon micro, Mariam, parce que je parle en même temps avec Sadio au téléphone. Ah, okay, je pense que ma connexion n'est pas bien faite. Non, il y a un problème, parce que même quand il y a le... Même quand il y a les images, il y a un écho derrière. C'est mal aux oreilles. Ouais. Bon, en attendant, moi, je vous présente ma cuisine. Donc, je veux faire du... Vas-y, Sadio. Donc, voici le poisson que moi, je vais cuisiner aujourd'hui avec mon tchèb. Mariam, regarde. D'accord. Oui, Sadio. Comment faire? Attends, je vais vérifier. Oui, allô. Oui, allô. Non, il y a un écho toujours. Sadio, en fait, tu es connecté deux fois. Il faut plus de connexion. Oui, en fait, tu es connecté deux fois. Il y a deux fois, tu me dis tout. Hein? Il y a beaucoup d'interférences. Oui, parce que tu es connecté deux fois. Bon, le temps qu'ils reviennent, moi, je vais faire frire mon poisson. Oh, 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 oh. Il y avait trop d'eau dans ton poisson, là. Il y avait de l'huile dans le poisson. De l'eau, je dis. Il y avait de l'huile dans mon poisson et du coup, bah, ça a fait n'importe quoi. Ouais. Ah oui. Tu as bien arrosé ta planche, là. Hein? Bah oui. Dis, tu as bien arrosé ta planche, là. Ah, ça va bien. Ça a de l'huile partout. Et même sur le sol, hein. Aujourd'hui, là. Ah, aujourd'hui, là, c'est. Le direct, ça réserve toujours des surprises. Ah ouais, il a mis de l'huile partout. Ah, on se moque de toi, hein? Qui se moque de moi? Ah, je vois dans les commentaires, là, les gens, ils rigolent, hein? C'est des Traoré. Non. Il n'y a qu'un seul Traoré dedans. Il n'y a qu'un seul Traoré dedans. Voilà, c'est lui, en fait, les autres qui se moquent de moi. En fait, ce sont des Traoré qui se sont déguisés. C'est ça, ouais. Tu viens de faire une erreur de débutant, là, déjà. Là-bas, je veux bien vous voir en cuisine, hein? Tu viens de faire une erreur de débutant, déjà. Hein? Dis, tu viens de faire une erreur de débutant. Il y a un proverbe qui dit Côté bébé à tabra de boulot. T'as compris ou pas? Ouais. Voilà. Côté bébé à tabra de boulot. Mais en fait, tu ne peux pas enlever parce que le poisson, il est surgelé. Toi, il aurait fallu l'éponger un peu. Le poisson. Il aurait fallu l'éponger un peu avec, du papier absorbant là. Ouais. Ce que tu as fait là, c'est dangereux. Hein. Hein?
Moi, je connais quelqu'un qui a perdu ses sourcils comme ça. Hein. Mariam, il y a Fabio qui est revenu là. Est-ce que tu peux le faire monter? Le faire monter. Ok. Allô, Fabio. Voilà. Et le point est sur Mariam. Ah ouais, Fabio, en fait, sur son été, ça va mieux, là. C'est ça qu'il y a du temps. C'est pareil, Fabio. Il y a un bruit de fond, là, c'est pas possible. Non, Fabio. Non, c'est juste pas possible. Ouais. Là, le son, là. Il te reconnecte ? Entendu un bruit. En fait, il est connecté. Il est connecté trois fois. Ça peut pas marcher, Fabio. Ah. Fabio ? Fabio ? Il n'y a pas d'image, je ne sais pas s'il est bien connecté là. Ça passe pas. Fabio, hein? En fait, il faut que tu redémarres le truc parce que là, tu nous entends? Est-ce que tu nous entends là? Est-ce que tu nous entends? Oui, moi je t'entends. En fait, tu es connecté trois fois. C'est pour ça que tu as des problèmes. Non, j'ai déconnecté l'autre téléphone. Sinon, moi, je vois il y a trois connexions là. Tu as désactivé deux téléphones hein, carrément. Non, tu ne les as pas désactivés. Ils sont toujours connectés. Là, hein? Voilà. Là, c'est bon. J'ai pas compris. C'est bon? Là, c'est bon. D'accord, ok. Bon, ça, tu sais ce qu'on va faire? Là, là, c'est bon. Là, c'est bon, il n'y a plus d'écho, là. Fabio, oui. Regarde pour faire simple. Regarde, fais un test au micro, le micro. Oui. Allô, Eva. Oui. Fabio, est-ce qu'elle, elle m'entend? Parce que. J'ai pas compris. Qui a le titre? Voilà. Toi, tu as le titre ou c'est elle qui a le titre? Non, là, là, en fait, elle a mon titre sur l'oreille. Je crois qu'elle t'entend également. Oui, mais le problème, c'est que tu vois, quand elle parle, on n'entend pas forcément. Alors, quand vous le dites, là, Elidia. Ok, Neba, Elis Roman. Elis Roman. Elis Roman. Neba, Elis Roman. Je pense qu'elle t'entend pas. Fabio. Fabio. On n'entend pas du tout, hein. C'est bon. On n'entend pas. Allez, bon. Il faut pas de dire après là, allez, Lydia. Bon, Lydia. Ok. Attends, Lydia.
Bon, le micro, il est branché sur la caméra qui filme. Maintenant, le kit avec lequel toi et moi on parle, il ne faut pas donner à la dame parce que ça ne marche pas. Toi, tu vas lui transmettre. Voilà. C'est bon, Elidia? Oui, mais il faut qu'elle parle dans le micro, on va voir si ça marche. Ne pas qu'il y a comme ça. Ne pas qu'il y a comme ça. On n'entend pas, le micro n'est pas bien branché, Sadio. C'est bon maintenant? Il y a comme ça. Ne pas qu'il y a comme ça. Ah. On n'entend pas, on n'entend pas. Sadio, revois le branchement du micro et reviens vers nous. C'est pour ça, le branchement est bon. Hein. Ah, il y a quelque part. Hein. Vérifie, peut-être c'est la pile, je ne sais pas. Ouf. Tu vois ou pas? Bon, Maria, j'ai même chargé le téléphone carrément. Ok. Maria. Oui, Elisa. Mariam. Oui. Bah, parle-nous de ce que alors, bah, moi, ce que je vais faire, c'est un poulet rôti avec des légumes et des pommes de terre. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc là, j'ai déjà coupé tout ce qui est poivron, aubergine, courgette, des oignons, de l'ail. Oui, Sadio. Hein? Allô? Ah, allô? Non, allô? Allô? Non, on n'entend pas. Allô, Anne Soroma. Ah, si, si, là, on entend. Allô, Anne Soroma. Ah, ok. Allô? C'est Anne Soroma. Ah, oh. Ne madame Bagayogo ya magasa ne ka bara benen do kundigi de ma ani muso ya masri nu fereli de ma nu ni jibato nu nga masri nu fereli ne ka bara benen do ma sugun ngura la yanno awo awo ni demba be jala sir la be demba yi me am se ga di moko kele maka fo ni re de demba yi donc o de tay ni donc munu be ka deme o lu ben ni donc ka deme noy bo dan fara min bu uni yo konche parce que ni demba jala tigi re ni ndo
faka donka fo tiena ni de dena jala tiki yere bo oni sanu ni mai o de danfara bu ni gonche parce que gari mani sanu mari do sanuma ani garma namba fo mako kulati kulati o de dema jala tiki yere tai donc sanu ni de buluma fara tiki tai donc nunu e dema ka kono we ni jalabi kuna be dema kono blaikana kono e dema ka masru ye se ka ke jubato fono dona doni na sisa be be ba do bon sisa ubika abeke kelen parce que nyabala sisa hali denguni na ubika dema jalati ka tulukala donga denguni kenai parce que akadi mugo ye kadi mugo ye ode binani aduni ka denguni kenai note negani ndi nana akama yere ka foko jubato ka jara ani buluma farati kuta tulukala negani dabara ode kama tadu ni dema jala tiki ka buguli e buguli de ni ba fon ni mako janjigi 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 donc o e dema jala tiki ka tulu kala ere ere fana ye donc o lube de la enfer ya no janjigi awo do ba fo awo awo do awo do ba fa ma janjigi do ba fa ma ko jisuru do ba fo janjigi do ba fo jisuru atoko ere de janjigi muna janjigi parce que ni muso munun kadu yere yere dalen bala ka fo e muso janjigi bade ki ka de majala soro yasri donc ibe de majala indi be kolati intul kala de do ikuna ibe janjigi indo iklo la ulu de betani yoy dinani woro bo awo bo bara fon fe ni bala bu komi nogoya bala bu komi geleya bala dondo ibi nogoya soro dondo ibi geleya soro don aye nogoya la sema komi geleya fona ba konana na bara ere tabulu yudi dondo ibe no ya soro dondo ibe gele ya soro ala ne tadu anuya eke agele ya muni no nisa kanda do gele ula ka foko sebe parce que anyere munu fleni ya amboro ka jame passe o de boka na amina ansi di barafu itesiku kono sa barafu itesiku kono konere de makundi gila yere yere nginga bara folo odila on ni ya enye tulukala tabalisiki mena misika kalukile nginga baniki te bostaki kono ka kundi ginai don kono gana nye tabalisiki ka femse ni chamankala mbe kati de nga pase ka cha don ni makun soro ka digini femse ndo sana misika ndiba don misika doko ku fona ke ka ni bo poko te jo tabaliku na ka sani fona ke o gele abanga ko sebe I'm not going to be able to do it. Obina ntamine kata kenai don o gele abanga ko sebe parce que warte mugo kun ka sani reke ani sani ka duye warte kun ka sani te o ba singapi gele abanga ko sebe mugo ba singa di parce que nene daga wuli ben kere fessa jala ba le kuna du mene bolo eske na tara foko adi anga tanga jala sirnaye
Ibisi ka bama. Mais Sadio. Ibisi ka bama. Don, iba dama. Adla mandi iba dama. Ojele bama. Ati se ka ke alekoko ni tous bilimeni ya sambinan nikode. Est-ce que vous avez commencé à nous faire le madou ou le café ou la voilà ça? A nous faire ma coca de la customiser. C'est-à-dire qu'il y a un don, qu'on y triga de la d'abord à l'air de Kaman, Nikoumouya, Nikama. Est-ce que nous faisons aussi mon roi Wajibia? Ça de la sans plus que ta sna. Anya miro o fere na nugo yola parce que wati dola temana ere anya da jalat la ame madam jaraka la ame madam kulubalu kala ame jamu jamu kala donc abe me anku o tigila mo oti na san na fo abe woro woro sebenin bebe woro woro ka bala. Donc au de kama anyo bla ni mi yere na na principal kana fo jala bien kuna mafia akwa jala dla nyeme abe ni madamu de kaka obo seven ko dama donc am fona beta au de papier ni tige amino kaka. Ah ouais, mais bon, moi je pense que elle doit s'adapter à la parce que donc au don avec foko les dimanches à Bamako c'est jour de mariage pognon ni fin bay. Et donc, à famille à quatre galets, Waribedi Gelouma, Waribade Meklan, comment ça se fait qu'eux se retrouvent que Utekoutaye ni Faina? À famille à quatre galets, peut-être que, au lieu de ma réflexion poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire que tout cas, clientèle donc à nier. Et déjà? Bon, on a eu le dabalier qui va pour n'y mettre fin à ça. Parce qu'il y a un tête trop sévère de la la cablau. On contient nous aussi de la cablau. Donc, Galia et les atouts, on a un dabalier qui est à quoi est-ce qu'il est l'autre? Mais il y a des gens qui sont là. Pour faire un blanc, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui Shini nige nunu mana dema jala fono kama mana mas, dema masiri kama. Yere ka kuma anyo ofono yede firika ye kata. Asike na unye ni sanga ni mke anga barake mina ye. Anfana tina nuko ya soro kona nana. Pasike aduna malle ya kama. Donk na unye ataka faranga mina yaka. Ama afika nuko ya soro kona kona nana. Ude nana ni nige ni intali fana ye. Yela saa misika nuko ya soro kona. Pasike anye laini sabake olu chama ana. Yela saa misika sani sini nige kana. Sani sini nige kana imani anye ni nige anye ni ye yanno mineli iba fo jisuru file chuko mina ni ye yan lani fendi me anye odlan o sani ngoyara anye ni fonota ko odlan ka ke ko mamina anye reta fono ladigi don ko mi nige bora mugola yela sa amsika ngoya sura ni fonana ka ni fonasa anye ni fonako odikama. Donc, on note un nombre et un yéra de l'année. Ah ouais? Ah ouais? Oh, de bien. Ah ouais? Oh, béke. Oh, teke. Un yéra badoko, cognobé du goukono. Amba doka fo tiyan na konya be dugu kona ni wati la. Me an ma mwa yede, hali di mba ma do suku kona, konya du nga chan, an yere sigile ambo de baroke ya nna. E sa jo, mi nga li ke eskou de rompi. Mwa ni ake gele ya de,
gelea de do tente mo bolo ode nanana ye bo ona ta bolo fon fe fana banami mana wuli wakati mi fana na obe bolo fakaka imam be dabarani ndatukule yi don mo ko te bo o wakati kaso kuma te ka do suku kono kuma te ka do mobile kono don an ko ni wajibi ye an ba sigi ka anga bara de do an se ka to so parce que ni yere suku jola yere mana suku bo godunga ba se ka to so tukunu an na ma fian sura be na de mais justement ça jo ni coronavirus ko na lu ka me de sécurité du mené comme ça tu lu kala nuna ni mena ni fly o ko du ko ni klo ko la fla boni ni nebe na ni fla ibara ni e ni single ndo de mala tam atenya don u fika fla de do ala don ni nebe na ni fla ni nebe na na fla la mai tumaro e ni Sadio, Agininga. Comme il n'a pas de chien ni fly, il n'y a pas de chien ni fly. Olu organise la tournée. Le bas. Donc, on a discuté comme là. Il est ici, ça a été là. Alors. Il est ici, ça a été là. On dirait. Alors. Bon, masque à l'imima tabou et basse rabé bête. Quand un flèche à Corée, un coup de gilade de coup de jabdalado. Alina mado à placado, parce qu'à bébé. Animé, madame, animé, madame, parce qu'il y a un yaya avec qui si chamanke. Ali ni fiye be kachi abi deme. Donc bana kunta chama de bina fiye fe o. Donc na bi la abi deme ki kiso ma. Any re wo jeti de mina o kama anya du. Meri mo ambe salen sara. Ambe salen sara. Awa. Ba fo bi bien ntike ka blanga mine na me mugandi me mugansara o di salin uwere bu unna fa dimina ko bara unna fa anga bara kon nana anko ni meri mugo ko ni ka barado boni aye olubi na mina na sika ke aba anyere de fone pasika ke sika ke dono bi na ke yoro do be chiye suku ko na obi no ladla ani ala ka nkisi fendo be ke suku ko nana na obi sika do doni no royo bolo kana alo alisi sa me demakundigi oh demakuni kunto o di franci obe ko sebe parce que parler que l'ambi akadi doye ika parler que mais te dembaye amboke oye ni nanyo kona wi oye ni nanyo kona wi donc amboke ko sebe nun be anga parler que ambe demba deme mais ni demba kunye ba ko nye dit tout gola mi rela sa aflam sokuna ya oye demba kunye donc nun be a parler que la mawi ni ya soro disuru be min kuna dema ka tulukala yere fle ni ye dema kun digile yere sa
Donc on y est. Avec quoi ni modèle il faut nous mettre ma coune à coune nangarabani. Nangarabani. Quoi ni faut ma coune nangarabani. Parce que nous les filles là ni janigi et puis janigi quoi de quoi. Donc avec quoi ni démarrer la tige quoi ni mana ni coune diga coune. Donc bah faut ma coune waroni. Ni en indigi coune car démarrer la tige car tu l'as calé. Ni jama mana bote koko koko dema mana bote koko koko donc eko ni bado kapa ni dema yere dema oni yokoche awo odebe do oni yokoche ni alaje ni kalali ni ndiki ko ntikle donc ni aye na mabon ni tonala kunu mana lo yele ma sim apo tiyo yere na ni ni mo yere na on yere ka parce que yere ya fa chukum na fola fola ne go leni leni kunte an fe ya an me yosi de kai an me yosi de ka de ma kunla yosi fo na yemu ya an yere ka seneka yiri de du wa fo an be damu ni turu an ga furu kuno na na an bo wa fu de ko wa fu de du an ba go abedlande mu ya suru mu ka boy mbala kana se an maya an ba afu mu ku santa du galala na ya du galala fi mai na wode yosi sita donc on me kundi gino di folo folo am yere na naye am fona ba nga am fona fora nga mugo koroba munu ko lude kumba kenu yi am fona bi nan no ya do ala parce que am alle ni fona digili akan no ni yosi fona tay donc anya ka yosi ani yosi blasa ki be kundi gina ki lam yere te so amam ni parce que aka giri ni ya ke funa aka giri il faut que l'on fasse comment donc il y a des éléments communs moraux à sentiment à tenir l'ensemble dans une industrie comme une naturelle comme une baraque para boulot là comme une artisanat comme boulot là baraque là il y a des éléments non bien comme des boulots de baraque là nous ne venons ni à résoudre bon ça bara fanga bunyana demsenuma parce que yosi ni fleni bara bari bala nya fina chukumina amba turu anga furu ni konche amba ke kangal na ko ukuri me bien de ba kuna na yi su ba baka ka bu donc ko gelema man ni sandem senu ni bo ali nana na kona amba sanga te munu kuna ulu kona bo akagiri ka bing ni ye ode na na yosi fanga do ko ya don sa aha awo adugo era sa Ni ko no kola ra awo ko no ni gore tu ne ni ko ma sa ko no ko ni e dia masiri polo polo yere di don ko no se ka tu ni a je ti ni ha la un yere ka mso woro ba an ye ko do ka so ko no bora bu woro ni ne kala ne be o ka masiri ye ko no de ba mara ko ni yana je o be ni sa ele ma yana je o be wali ko no be ku ba ta bu yere la de ala don mso ka masiri yere ko no de ni aya na chenin do asa ka ta ka kono do don abi ko mi kono ni fen koro ka bla kono ni fen koro elija mariam oui sa jo bon mariam tu as des questions moi je veux juste savoir abou ya nonu ni be sini ni sigi la trop mais ni a jate ni ani doni ko ani ani pentaman don san 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 ani wati na ko bin mayila tama che fanga de be est ce be ami tin na ko bin mayi presan ani ko ni sin ko est ce ya ki na tmene tama che fanga ni kan na akli te foye ben ko ka jamana suma do ni ala de lo drone jamana ka ben ala de li fanga ben yu kalu saba kalu nani ni est ce que ale ni ben yeta la kula on ala de li di jamana ka suma jamana ka be ya da te ni ko ba eta kuma ko ya ayo te go ne ko ni siglen do kala je fama kura be te men yere jole na dumodo me mobli nyina ne
tisse ka fo polo ka fo yele ma dona ko na parce que asigle ni santé an ko ko ni maile siga ka be yele ma ametanye me amaye le ma polo ni yoro ali na yele ma na an ma don polo yele ma ma son ma ya polo ya tinne me le tu na ta mali ta bulu la ni na hakle mi mali ta bulu la la ka mali jaduro ay mali de onde yo mali be ka ta bulu mi ga na ma yele ma ama fu de famia ma fu de famia don wa ngone hakle mi mali ta bulu la ala ka yele ma bulu nyuma di mali ma la ka yele ma bulu nyuma di mali ma ka suma ka ja o de ka dani ni me na siga kuna ala ko doni si o koro mali marali ala doni de ni mi sira koro o ki jija ka fisigi melege ka da koro ala doni de ama giri ala ka to do man du o tikini ala ka do omne Mariam t'as des questions? Oui, vas-y. Alors moi je voulais savoir, parce que tout à l'heure elle disait que les gens ne venaient plus au marché pour acheter les affaires pour le mariage, d'après elle c'est dû à quoi? Ça dit aussi que Mariam Ben Malimé. Je suis un peu plus de temps. Ou bien si vous voulez mais nous nous bien si vous voulez nous nous bien baraquer là doye kundi là où doye jabida là où mais si tu es barala bien si vous voulez nous nous bien kaka ko yam fe bien si vous voulez nous si tu es barala donc on y a roh galai de andun dona si vous qu'on a kabi 7 heures jabaye lama ambe si vous qu'on a kabi 7 heures. Non, barati. Les gens vont où alors dans ces cas-là? Tajo? Ani yarode. Wati temeno na samba sura ali senda rota anka ga koya. Kile onke. Mais sisa ambe soni mana sisa baby daga sunu. Baby daga. Bia de bi daga sunu. Barafu ite. Tajo? Ni wati ni sira sa baby daga sunu. Elijah, tu m'entends? N'y a pas en fait tombé des blancs. Et mettez le gars fort. Moi, il te sait qu'à feigner ni tirer. En fait, on ne peut pas se développer avec ce qu'on n'a pas et on n'est pas. Je pense qu'il y a le mariage là, certainement, quand on veut voir Chine, New York ou là, Dubaï, on peut avoir Baramoukou ou Bolo là, ou au fond copier. Et donc, ça fait que les gens préfèrent aller prendre quelque chose qui ressemble à leur produit. Est-ce que ça dit au Clovena? Moi, la question que je me pose, Elijah, c'est en fait, là, avec la propension, l'ouverture de plusieurs salons de coiffure, est-ce que ça n'amène pas justement que les gens n'aillent plus sur le marché pour consommer? Ça dit quoi, Maria? Je disais que le fait que les gens aillent dans les salons de coiffure aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça qui fait que les gens ne viennent plus au marché? Parce que venir au marché, c'est la poussière. On va lui demander. C'est la poussière, c'est la chaleur. Tandis que dans le salon, en fait, il y a la climatisation, on te sert un verre de jus. Est-ce que tout ça, ça joue pas? Moi, observe que Gélia doit y ama. C'est la que Gélia baya ama. Halissa, nous avons fini, allez fini dont t'as ni à la gêne. Nami ta farke yoro la ita so ne bamana musudi ni me kunmi kono dilak konguru la me bamana musudi dilak me shia kundi
Donc, à vous comme Hakli Boulula, Alissa Magna. Oui, moi, c'est une Abe Chiade. Chia Benata. 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 Bon, salon de Kouakourou qui est à la 6 à Bamako. Est-ce que vous demandez à nous de ma Doréali et tout le monde? Salon de Salam rote se ka ni kunsigi digi ngona u dan ka tu undlan ka tulukala indwala note ni misigi len fleni misigi len fleni ambora mina sa ambe shi akunde dlanla salam go koni ka bara juranga baraka kosebe juranga kosebe note seminari ambo kelengele nun soro note antanga obese fenfena anto soro bo anto solo ka barala anna ni salam go yin won soro kongula Olubu joko ka baraka ha mas ga nga baraka ante kilini nga baraw tabulu te kilini. Et donc c'est là pourquoi elle s'occupe pas avec les salons de coiffure. Voilà. Donc on peut y avoir pas bien. Elle a l'air fort. Pour se rendre là voilà. Est-ce que elle aussi la détermine de près de pour y avoir là il me en fait non mais c'est mal mère là. Donc, on ne sera côté. La question, c'est de savoir pourquoi elles ne s'associent pas avec les salons de coiffure plutôt que de rester là. Qu'est-ce qui les empêche d'aller dans les salons et de travailler avec les gens des salons de coiffure? Sadio, Mariam, comme on a mis le salon de coiffure dans tout Faragnon, quand on a mis le salon de coiffure dans tout Faragnon, Mariam, comme on a mis le salon de coiffure dans tout Faragnon, quand on a mis le salon de coiffure dans tout Faragnon, quand on a mis le salon de coiffure dans tout Faragnon, certainement, le salon de coiffure qu'on avait fait dans tout Faragnon, il était sous la main, on a mis le salon de coiffure dans tout Faragnon, comme ça, les clients de la base, on a mis le salon de I am going to go to the salon. Am sera la gien auto se baramina nga numéro flé aban welola am fona nante se baramina am be de kundla na yo am fona ba au passa ko buluka donc am bi je ka barake ngon ko etugula ama ke chugusila ayo ngo forme ala anya ke tulo nga yele ka ba parce que anya ko ngulu ke ngon fe Ami nyokon deme, ami nyokon nga, anyake, ami niso jake nyokon fe. Ha, au ben deke, amfana bina nindeke, ambe, ambe ga nyokon tala. Anyake klunga yele, fui fui mabala. Anyi nyokon famiala kusebe.
D'accord. Bon, Sadio, la dernière question pour moi. Hein. Est-ce que syndicat boulot, association sous boulot, ou ni mairie qui avait trop de ou ni état malien qui avait trop de main, comment ça se passe administrativement? Ani mairie mon gros boulot, quoi les femmes au boulot? Donc, ah ouais. Parce que avec comme bureau bamboulé, ah ça ça bamboulé. Donc allez dis samedi au réunion, samedi au samedi, am taille réunion que. Anga bureau bed du mako benso, benso ah ouais. Avec sugu là, sugu bedé do, sugu bedé bon. Avec comme Mali qu'on a sugu bed, allez présent banga sugu là non, benso. Donc samedi au samedi am réunion que bureau là, am haki là au dinyoma. Très bien. Bon, moi j'ai fini. Je crois qu'on peut passer à quelqu'un d'autre. Hein. Mais en tout cas, je suis triste de voir que ce savoir-faire-là, à Tekatik, Balo, Anya Fotorum n'a bien qu'on a bi, Femme nous mette boulot là, Nafabo de la Mali drone de la Femme nous mette boulot là, Aman 5 heures au temps, Ameta Fonta, Ameta Fonta, Chine de, Dubaï de, Longa yela ni bunya ni bere bere ambo ko de keka nga kila nkumbea donc o kana anfe ambo sigile mbeko makono ambo sigile mbolu de ka sigila yaw ami welele madame nge kana kundigila gele afoite de o de bene fera ko awo ami fo neba La fia cadenée, c'est ça. La fia cadenée, ça. Ni c'est que n'est un petit bar à République à Dominique et Dron. C'est le canda. Mais ni ma décès. Il te sait que, ok. Donc, on connaît. Ni mené boulot, c'est ça. On connaît. Allez, on dit hier au mambo matouni. Périphère, nous bien à table là. Nous sera qu'à San la fia l'énoula. Mais t'as le coup, on dit qu'il est bien par le colosse. Neni ima sugu bla yi ti se ki ka bara bla de parce que al ni ya bla ya mugo ba do e ba ke ni ni kelengele ni mun wulda dom na ku ba ke obi se gere ka so c'est vrai ni do o ni ala ka ko no ya ka ta ko Amina ya Rabbi, Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Awere ka obulo meala, ala ka obulo meala. Ya Rabbi ya maka bla koreya kana bla banaye. Ala ka unna falan chama mbala ka toko dumanda awma. Ala ka kusi bara inkono na gere gere ma. Ya Rabbi ya ma ala ka uyere ka yiri bayi. Yiri ba suma duma. Jine ka asli asumana. Udi kadi awfoneye. Na ukara yiri ba suma duma ye. Uya awfona lafi alende yu. Allah kana ko mugo ladu ne bla wala Allah kana to jamfala ya rabbi ya ma o de ne ka fuli ka do don ke ka ni san wera ma ya ka do mne ouais Mariam on sent vraiment la crise par ici c'est catastrophique ça ouais. C'est vraiment catastrophique. D'accord, ok. Parce qu'elles ont tout un savoir-faire, en fait.
Voilà. Elles ont pu même être formatrices, être payées pour former les gens à coiffer. Mais là, elles sont complètement laissées de côté. En fait, dans mes barames, tu nous as pas entendu. Sadio. Oui. Voilà. Donc, je laisse le temps à Mariam. Ok, Mariam, oui, on t'écoute. Hein. Oui, c'est ce que je disais. Je disais que c'était vraiment triste. C'est triste parce qu'elles ont tout un savoir-faire. Elles ont tout. On ne va pas parler de technologie parce que c'est du manuel. Mais voilà, donc on va continuer. Ce genre de personnes. Comme elle a dit. Sadio. Voilà, oui. Une minute, hein. Mariam a fini de son commentaire et puis tu enchaînes avec. D'accord, ok. Donc, en fait, ce genre de dames-là qui sont là, si elles n'ont plus de travail sur le marché, elles devraient être prises pour former dans les salons. Ah ouais, non, les autres, pour que leur savoir-faire soit transmis. Parce que là, si les salons ne savent pas les faire et que tout le monde va dans les salons de coiffure, au bout d'un moment, c'est un savoir-faire qui va se perdre. Ouais, c'est très clair. Ben en fait, au Mali, je pense que en fait, il y a une frénésie et une modernité qu'on ne maîtrise pas. En fait, on reconnaîtra le Mali par nos savoir-faire, c'est-à-dire ce qui représente notre culture. Or, tout ce qu'on est en train de faire, c'est d'aller vers d'autres choses. Quand tu prends la restauration, tout le monde fait des kebabs aujourd'hui. On veut faire des hot dogs. Même les teinturières, elles sont en train de disparaître. De la même manière que les teinturières, elles ont disparu, les dames vont disparaître. C'est vraiment pathétique. Ah, mais en fait, c'est parce que jusqu'à présent, ils copient ce qu'ils voient à l'extérieur sans l'adapter à ce qu'ils ont à l'intérieur. Tu prends un exemple tout bête, tu me parlais des kebabs tout de suite. La dernière fois, je t'envoyais une vidéo de ce que j'avais fait à manger, des burgers avec des bananes plantains. Ça, c'est pas des trucs que tu trouveras dans le commerce au Mali, en fait. Voilà. Faire des burgers avec des patates douces, même le pain, on peut le faire avec de la farine d'éléments qu'on trouve au Mali, comme de la farine de manioc, on peut faire du pain avec ça. Mais les gens au Mali n'ont pas trouvé le moyen d'adapter ce qu'ils ont entre les mains pour le moderniser. Et il y a l'obésité. C'est ce qui est vraiment dommage. Dans notre pays, il y a l'obésité, il y a toutes les maladies liées aux boissons énergisantes. C'est de la faute de tout le monde, hein. C'est vraiment de la faute de oui, c'est de la faute de tout le monde. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas qu'une seule personne qu'on doit condamner. Ça, c'est de la faute de tout le monde. Compris moi, mais les laisser pour compte, c'est vraiment. Même quand tu vas au marché du blanc, tu trouveras que la planète, on ne sait pas d'où ça vient. Pourtant, il y a une production locale. Tu vois, il suffit juste de transformer. Il y a du fruit, il y a tous les trucs, mais. Tant que ça ne vient pas de Dubaï, tant que ça ne vient pas de Chine, il y a un problème pour nous. Voilà. Bon, Sadio. Oui, Elijah. Oui, bon. Marivolo. Voilà. D'accord, ça continue toujours. Donc, je pense qu'on a un chance sur eux. On tombe sur une tante qui est carrément en train de confectionner. Allez, avec un trou calaire. Donc, on va aller à la fin là. Quand il y a le local là. Tante, il y a sur moi. Oui, reste là. Ben. Le mouvement démocratique. Ouais, Mariam Traoré Maolo. T'exagères, Malé. T'exagères. J'étais pas loin de toi, en tout cas. Ah bon. C'est ça. Moi, je joue au foot avec Nicolas. Ok. D'accord, Elijah. Hein? Je pense que la matinale aujourd'hui, vraiment, c'est l'exclusivité. Oui. Il n'y a pas de client, mais aujourd'hui, il y a une cliente. Ok. Voilà, donc on va assister en direct dans la matinale.
notre tanti qui est en train de faire belle une autre tanti pour demain. D'accord. Donc, tanti, nous sommes tous les là. Ah oui, nous sommes tous les deux là. Nous sommes tous les deux principales. Nous sommes tous les deux. 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 Pa wolo baka jalabatigi yere yere di bosta ni nebe bi ku ni nebe digi ka sanu in kalaka ola ore betu koyamso nofe ni ode d'accord sanu amina masiru o masiru nunu ere de bu bedlan masiru nunu on ne va glan bona e ku digi sa ni ku vana. Amen, so roga sanu ka. Bo gari le. Ale garde kwa. Gari ni dikenye le do ama aglani ka so roga a fabriquer tan to ga gari ti se a san fe. O la mi so roga siri jala tu kuna. Bo sa be mo pari ko. Ni mariage be ga doro. Amen ni ga principal lu la. Ni dimma principal. Awo ni dimmu ni dimmu ite mu. Awo. Awo o ere de ni ne jala batige ni ne be da koya musoka bon sa no difference e mi e bon e bolo ma faratigu fana be oluni ni ntigere bon ye jala batige ere ere iku ni be digita nto a digira doro ame masiru kala ka fenke ko ale re jala batige ere ere bebe se ka ke. Mais tu vois, il y a quelque chose de majestueux. Bon, tu as la dignité, pour le mafara tout le monde. Bon, donc, quand on va, on est nous. Bon, ça, ni est nous, dit Anton. On est différencié, mais pour le mafara, tu as la dignité, de ma principale luce. Bon, nous, on est principal, il y a des gens qui ont d'eau, qui ont fait ma série Bekesta, à part Luke. Ta bugulu na fe ombe do ikulu la woni na etitilere ere fayini fanabe o fanabe biri demba kuna nin tlala sisa mina abe kala sisa ola sisa iba aye demba jala tibi ere kala parlu ni la 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 ça c'est la fille derrière elle a fait avec de la laine. Oui. Sadio, est-ce que c'est la laine qui est derrière, le truc qui est derrière en noir là? Donc, ni plein de compétents. Ni laine de ou ni plein de. Ni laine de. Mais, awo, mais si le koumege ka digi folo, mais si ça, ante meshi gala moko ou te meshi fe, parce que meshi te moko ba foko meshi mai kwa. Ama ke ni garde. Ni garde ba ambolo. Oui, mais digi ni ni. Ni garde. Amen ni ke ka djibu ni de koton awo ni e koton bo ni do en tekele bo de majala tiki sisa abe ni do abe konon do kanti ta konon ta kana dia konon be dali bolo ko dali ka konon ke len djibu et sa djot demande lui ça coûte combien de coiffer quelqu'un comme ça d'accord donc kamoro ke len kun planta bon ça ni menen ba ere inere erkeli awa to be ere kere do ere te o beke parce que modèle do be no o lu menen ba 30 minutes poko bolo tikele do ga teli do ga suma bon minge o re différence ba pe un bon yo na ko ni bon ça ni ko ti beni digi ni na masiri ti be Wakelin kemeduru wa flatit no. Aw. Ana masirbe. Mais elle en fait combien? Allez. Ah bon, clé qu'on a mis ga mota. Penu nge bon ni marché bien non. Nantara marché manache ça, mis ga mota. Tan tant qu'on a trouvé chez Gam, c'est qu'on dit que les gens. Parce que au moins, elle nous dit qu'il y a une différence si vous venez, il y a un chef. Pas de problème, t'as là. Car on a un problème.
En réalité, si bien. Nico, va te trouver là. Nico, va te trouver là. On a baraflé. On veut que la barre en horon et à quai. On veut derrière le horon et à quai. Voilà, donc, il faut que les bannés. Ah, wow. Il y a un côté flanant qui est ça. Comme on dit, tout ça. Ah, wow. Côté flanant de quoi. Bon, ça n'a pas de bannés, c'est ça. Ami soro ka painu ni konange kelen edo sa jo pom ko ka dri ale ni nga ke ko ni a chien folo de ya comment ça se passe, est-ce que ça lui fait mal, elle se sent ani de do kindigi kon na te digila ni mo gam de ndo ka illa be ate digila sa de wani na ko ni kundigi mo te digila ah oui ma est-ce que c'est lourd ma djou sa ka ki ayama ah kamangri kenin nu nga fego kem nu nga mota be ga fego gari ni se nyaw de do ba fego ça veut dire que ça veut dire qu'elle aurait pu qu'ati kundigi salona ka modernité que mais avec un aninke aller les valeurs de attribuer ni processus sina on a des minutes que ça salona mais il y a des minutes pas là ah en damier non vous aurez mené que ça connait même pas salona bon bédi ga kunglaro do comme nga dem sen dindu ni na do no lu ka dina bo salon nga par préparé dama magasin yor lay ko ke salona mais fami ko ndigi ni na chengeli ibiti la jona mais ndiko ki ga ni bege dongeli na ke ibiri tardé ça wallahi ibina ni bossina après maraji donere il ma ke salon son ali salon tu wéré ba mais aller ga abiyé jumelé est-ce que on a tradition de ça bon ya bon on a connu on a connu ça ah bon vous ga yela maro ko bela fenno yela maro vous ga do ko la ça o le gam mena bulu anga sigan tu ko ro ma o le ko ni kai da me ko na tunana aw o le ko so ne re na na ke so na simple nu biu na tu wa important be chino yu dambe garder français yu dambe garder wa bu ta garder on ne veut pas pour na ni ka bu ya de tu vois, c'est beau. C'est très beau. Ouais. Mariam, tout le monde veut avoir les cheveux lisses, ressembler à des Brésiliennes. Tu vois, on ne fait pas la promotion de ça alors que c'est très, très beau. Non, mais après, tout ce qui est brésilien et tout le reste, c'est quelque chose qui est assez récent et qui va avec, avec la volonté de certaines de, d'avoir une certaine facilité. Parce que ce type de coiffure-là, c'est joli, c'est très beau, hein, mais tu peux pas le garder tout le temps. Oui, en fait, c'est pour ça que c'est fait pour des occasions. Oui. Parce qu'on a même pas pu aussi pour garder tout le temps. Mais ce type de coiffure, c'est fait pour des occasions. Oui, c'est pour des occasions, oui. Même quand tu fais ton prénom en France ici, s'il n'y a pas des gens habillés comme ça, il y a un problème. Hein, Mariam? Ouais. Même quand tu fais ton mariage à Paris, le côté traditionnel, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de froquia, il n'y a pas de grillot, il y a quelque chose qui... Le problème, c'est que les gens fuient toujours leur culture. Je ne sais pas si tu as remarqué, la plupart des mariages au Mali actuellement, les gens se basent sur les mariages nigérians pour les organiser. C'est plus des mariages maliens, en fait. Ouais. C'est pourquoi le Mali consomme beaucoup Bollywood. Je t'entends pas, Elijah. Merci.
Tu ne m'entends pas? Non. Encore là? En tout cas, elle est habile. Hein. Beaucoup de dextérité. Oui, Mariam. Ah, je t'entends bien là. Sadio? Sadio? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Visiblement, on a un petit problème au niveau du son. Sadio, tu m'entends? Oui, Mariam. Oui. Non, je parlais avec Edija du fait que les gens choisissent toute la modernité et que la tradition en termes de mariage aujourd'hui au Mali. Oui. Il y a quelqu'un qui disait, ce qu'elle est en train de mettre sur les cheveux de la dame, les perles qu'elle est en train de mettre. Avant, c'était en or, non? Oui. Voilà. En or, c'est un autre modèle. Voilà, donc, nous faisons tout mécanisme. Sanoni ta bani ta sanoni a bere bani
Donc, il y a des minutes. Comme on va nous laver, ni banni. Ok. Donc, on est en train de se faire un coup de trop à chaque fois. Salut.
D'accord, donc on fait baisser la caisse à l'on. Awa, on baisse la caisse pour nous râler. Awa, allez, ça la montre. Mais on au différencier avec moi, c'est ça. Mariam. Oui. La cliente est partie ou elle est encore là? Moi je suis là. Oh. Allô, tu m'entends? Oui. Oui, est-ce que la cliente est encore là? Oui, elle est là. Alors, j'aurais voulu que tu lui demandes, avec le contexte actuel du Covid, les mariages, oui, ça se passe comment? Il y a des gestes barrières qui sont adoptés ou bien il n'y a rien du tout? J'ai pas compris. Avec le coronavirus, là, dans les mariages, oui, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a toujours autant de monde? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Oui. Le gars, il est bon. 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 Il est
D'accord, Tanti, vraiment initié. En la racine, il y a une question d'avis. En effet, il y a un peu de temps à tableau là. Donc, on a avancé, Tony. Nous avons vu là. David, alors, on a vu combien de votre là. On a vu que nous avons Elia? Oui. Oui, Mariam? Oui. D'autres questions? Bon, moi, je. Moi, c'est par rapport à comment ils voient l'avenir dans le Mali, en fait. Est-ce qu'ils ont foi en l'avenir quand ils voient tout ce qui se passe, la politique, la transition, le Covid, etc., etc. Est-ce qu'ils ont foi, elles ont foi en l'avenir? Bon, Sadio. Est-ce que tu as entendu ma question? Bon, Sadio ne m'entend pas. Oui, Elisa? Oui, tu es déjà parti. Hein? Ouais, je pense que tu peux conclure, hein, Sadio, parce que on a atteint 1h30 d'émission. Ouais. Voilà, donc, Sadio Koundigla au recrèfe. Sadio? Oh, bah, on est sur Sadio, on t'entend pas. Je crois qu'il nous entend pas non plus. Hein. Ouais, il nous entend pas. Non. Bon, le temps que l'audio vienne chez Sadio. Sadio. Non, il nous entend pas. Sadio. Ah oui, là, ça va être compliqué. Hein. Il ne nous entend pas. Bon. Et nous, on n'entend pas la dame. Nous, on n'entend pas la dame. Bon, Mariam, on va retenir dans ta cuisine le temps que tout ça se règle. Hein. Tu vas nous expliquer ton freestyle là. Vas-y. C'est pas un freestyle, hein. C'est juste des légumes. Donc, de l'aubergine, des courgettes, des tomates. Je vais quand même te montrer ce que j'ai mis au four. Ok. Ah, il y a la main. Et voilà. C'est le poulet avec les pommes de terre qu'on vient de rôtir. Elija ? Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de connexion, visiblement. Oui, Mariam, moi, je ne t'entends pas. Ah, donc, c'est parti, mon poulet, dans ma tour.
Si ton mec, il a encore une homonyme à Kounikoura. Oui, Sadio. Oui. On n'entendait pas la dame. Toi, on t'entend, mais on n'entend pas la dame. Bah, qu'elle parle dans le micro, on va voir. Oui. Ok. Je te dirai. Merci, Sadio. Sadio Nagate. Oui. Bon, Sadio. Oui, Elidia. Je pense qu'il faut conclure, hein, parce que déjà, ça fait une heure et demie, et puis l'audio aujourd'hui, ça n'a pas été top. Je pense qu'on peut conclure. Hein. Oui. Voilà, donc. Voilà. Voilà, donc, je pense que la main qu'elle fait. On a une réalité, on va aller là, aller avec la main, Fanny. On n'entend pas. Ok. D'accord. Donc, on peut penser que nous avons un peu de temps. Donc, Elidia. Oui. Madame. Oui, Sadio. Voilà, donc ce matin, on était au marché sur Kounikoura. Voilà, donc ça, c'est un autre aspect du marché. Donc ça, c'est, comme on dit, la partie voilà, où on pensait avoir moins de problèmes. Et décidément, c'est dans tous les secteurs qu'on rencontre la stagnation au Mali. Donc, comme vous voyez, on dit vraiment problème. Non, d'habitude, le samedi, c'est vraiment rempli. Mais comme on rendait pas l'affluence, il battait. Mais néanmoins, on sera à impression d'Osoro, on sera à témoignage d'Osoro, on sera à fin d'Osoro vécu en direct, qui nous ont permis de voir ce qu'on croit sous un autre angle. Et donc, on donne rendez-vous à nos abonnés, à tous ceux qui nous soutiennent pour une autre matinale et très, très vite. Elidia. Ok, merci pour le reportage, Sadio. Voilà, maintenant Mariam, on va présenter ce qu'on a fait avant de se séparer des abonnés. Moi, j'ai un petit mot à dire quand même, parce que là, on a vu pas mal d'images au marché. Vas-y. Avec très peu de gens protégés pour le Covid. Je rebondis sur le commentaire de Mali qui met avec 140 morts du Covid, les mesures devraient être contenues. Ne devrait pas être contraignante. Je pense que certaines personnes n'ont pas pris la mesure de ce que c'était que ce virus. Parce que nous, on l'a vécu très difficilement, en sachant que ici tout avait été fermé. Même pour sortir, il faut un papier, même actuellement encore. Les écoles avaient été complètement fermées. Et si on sort, en fait, sans avoir de raison valable de sortir, c'est une amende de 135 euros. Et je pense que là, pour l'instant, au Mali, on annonce 140 morts. Mais est-ce que toutes les morts ont vraiment été déclarées comme telles? Et c'est un virus qui va tellement vite que même si c'est 10 ou 15 personnes qui sont contaminées, il faut faire très attention parce que tu ne sais pas d'où ça peut venir et tu n'as aucun critère pour en échapper. J'entends des gens dire qu'il faut manger de l'ail ou je ne sais pas quoi pour en guérir, mais tout ça, là, c'est pas vérifié. Donc, à tous ceux qui sont au Mali actuellement et qui nous écoutent, il faut vraiment vous passer le nécessaire pour respecter les gestes barrières. C'est-à-dire se laver les mains fréquemment, mettre des masques et éviter le contact avec le maximum de personnes. Parce que le Sénégal a eu le cas, le Sénégal s'en est sorti, parce que ça a été un des premiers pays d'Afrique à être contaminé.
Mais quand on voit le cas de l'Afrique du Sud, on sait que ça peut aller très vite. Les gens n'en parlent pas, hein. C'est pas dans les médias, on n'entend pas beaucoup parler. Mais quand on s'approche et qu'on regarde un peu plus ce qui se passe en Afrique du Sud en ce moment par rapport au Covid, on voit que l'Afrique n'est pas forcément épargnée. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au Covid et par rapport au reportage qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que c'est vraiment désolant de voir ce qu'on a vu aujourd'hui parce que c'est vraiment un savoir-faire qui va se perdre si ça continue comme ça. C'est important de maintenir les traditions, même s'il y a la modernité qui vient, c'est important de maintenir les traditions. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que aujourd'hui, dans les salons de coiffure, on ne peut pas avoir ces personnes-là qui ont un poste fréquent pour pouvoir coiffer les personnes pour les mariages. On dit que les mariages à Bamako, c'est les dimanches, mais c'est pas que les dimanches, c'est dimanche et jeudi. Donc pour moi, ces femmes-là, elles ont un rôle important aussi bien pour transmettre la tradition que pour elles ont un rôle de formatrice, en fait. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas, cet aspect-là qui soit exploité pour qu'on puisse avoir ce savoir-faire qui se perpétue même dans la nouvelle génération. Et Traoré. Voilà pour moi. Non, c'est vrai que tu fais bien de rappeler les gestes barrières. Coronavirus, il n'y a pas de la et ni un comportement lagué. Il va falloir banater. Mais moi, je n'en veux pas au petit peuple qui regarde la télé. Elle n'est autorité au cas comportement la guerre, ça n'encourage pas à croire à cette maladie. Tiens, t'es fort moroyé. Il y a des gens, en fait, des autorités qui sont décédés chez eux à la maison et ils n'ont jamais voulu dire que c'est le Covid qui l'a tué. Et ils ont poussé le mensonge jusqu'à ne pas faire dépister leurs proches qui ont été en contact avec eux. Et donc, ce bas peuple qui est là, qui vient chercher 1000 francs pour les courses du jour, on ne peut pas leur en vouloir. Mais nous, notre rôle en tant que médias, c'est qu'à fond, le coronavirus qu'on y tient de dos. Ayant, il y a un barakéon de mener français. Ayant, il y a un barakéon français en bout d'on. Bon, à ouvrir, il y a tellement que fin de l'an, il y a un barakéon français. Allez voir, il y a un chikatam, mal la chamambola. On parle d'une chute de 29% des transferts d'argent du reste du monde vers l'Afrique. Car ça va bien que le coronavirus y est. Et donc, aïda coronavirus qu'on a réalité de do na ya oumne a quoi comportement est fait aba osomo bemne et donc finalement na faté klogle ya la il faut que aka minimum de sécurité d'ota ne serait-ce que masque i kanit tereko ni bola non se laver les mains sans... il faut pas se mentir au Mali on peut pas se laver les mains quand on est dehors il y a pas de robinet qu'on vient d'installer il y a pas de centre commercial où tu as des toilettes non, mais... Sauf s'il se lavait les mains, c'est que quand tu arrives à un endroit où tu peux le faire, tu le fais. Oui. Pas dans la rue, mais quand tu peux le faire, tu le fais. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le masque, pour moi, c'est la chose accessible. D'ailleurs, moi, j'inviterais. Moi, je vais tout faire. Surtout, toi, vous avez dit, je vais vous donner un masque. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez le faire. En fait, il ne suffit pas d'avoir un masque. Ni de barak et sougoukono. Ni ebeta sougoukono, never. Kabos kou konon 18h. Ah, foke 4 maske nyon ka ki bolo, maske nan. Donc, naba ou soumoro, samaya ke maske, parce que y a un vrai problème de santé. Ni ma maske sangadi moroma. Maske peut-être quelques centimes. Il avant, il veut avoir bo ki bat ki frake, avoir tese ka frake, parce que respirateur kou ni salle d'hospitalisation d'arrêt na do ola. Donc, voilà, ça c'était le côté COVID. Ça n'a pas commencé aujourd'hui hein, la sensibilisation sur RP Média, mais Namanyako, voilà le nombre de morts, le nombre de cas, il y a une croissance exponentielle. Faut en aller les gars en tableau élément, sinon banata tableau élément, on est quand même en tableau élément. Donc voilà, ça c'était par rapport aux sensibilisations sur le Covid. Maintenant Mariam, on va voir dans ta cuisine ce que tu nous as fait. Il y a quelqu'un qui a demandé Mariam, quand est-ce que tu fais une nouvelle coupe? La personne elle a dit, c'est un certain Kamara. Elle a dit, tu es très belle, quand est-ce que tu fais une nouvelle coupe? Bon, ça ne vient pas de moi. Merci, hein? Camara. Merci, Camara. Toi, je n'attends pas de compliments de ta part. Merci, Camara. Bah, c'est un peu compliqué avec les salons de coiffure en ce moment, hein, dû au Covid. Mais je vais essayer de me coiffer voilà, pour la prochaine fois. Voilà, Camara. Je vais essayer de me coiffer pour la prochaine fois. Ok, bon, allez, on y va dans ta cuisine. Alors, bon, moi, mes légumes, je ne les ai pas encore mis à cuire parce qu'il faut que j'attende que le poulet avance un petit peu. Sinon, ça va cramer, donc je préfère que tout soit cuit en même temps. Et le poulet qui est presque cuit.
On ne voit pas hein, ton poulet là. Il est là. Il est sorti, il est là. C'est un poulet boiteux? C'est un poulet de blat. S'il est boiteux, il est de blat. Et toi, t'en es où dans ton chéri? Oui. Marat, je me rends compte que tu as une frappe chirurgicale en cuisine quand même. Hein. Ah, on essaye, hein? Hein? On essaye. Moi, là, j'aime pas les traoré, mais là, quand je vois comment tu fais la cuisine, tu me prends par les sentiments quand même. Depuis le temps que tu dis de venir, viens. Mais tu vois, là, mon problème avec le poulet, c'est quoi? En fait, s'il n'est pas cuit, cramé, j'arrive pas à le manger. Moi, j'arrive pas à manger le blanc du poulet comme ça, comme vous le faites, là, la chair comme ça, là. Moi, il faut qu'il soit... Non, t'inquiète pas, il n'est pas fini, là. Ah, il n'est pas fini? Non, il est retourné au four, là. C'était juste pour vous montrer. Ok, bon, allez, moi, je vais montrer chez moi. Mais bon, il y a le barbecue dehors hein, aussi. Hein. Ah, il y a le barbecue. Sérieux? Le barbecue n'est toujours pas rentré. Hein, donc, si jamais tu passes et que tu veux que ce soit plus gravé, on pourra le mettre sur le barbecue. Ah, j'arrive. T'inquiète, je vais venir. Voilà, donc. Bon, moi, j'ai fait du. Et donc là, c'est. Voilà, là, c'est le poisson avec les aubergines. Je n'en ai pas fait beaucoup, hein. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on voit. Voilà. Et là, le riz, il est cuit. Wow. C'est du kiev ou c'est du riz au gras? Non, en fait, c'est pas du kiev. En fait, tu vois, les tailles, j'ai mis des œufs dedans. Tu vois? Des œufs. Il y a du persil, il y a de la coriandre, il y a des carottes, il y a un peu de tomates et j'ai mis trois œufs dedans. Voilà, comme les tomates. C'est un genre de riz cantonné en fait. Voilà, exactement. Tu vois. Et donc là, c'est prêt. Mon fils, il s'apprête à aller au foot, il va en manger avant de partir. Mm-hmm. Voilà, donc c'est ça mon truc d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Bon appétit alors. Ouais, merci. Dans les commentaires, j'ai entendu quelqu'un qui dit que, en fait, il dit que lui, il a dit aux gens qu'on peut réussir en Afrique, que tu vois, un garçon est en train de cuisiner. Mais en fait, après, c'est vrai qu'on a la chance en Europe d'avoir des cuisines modernes où c'est plus facile. Mais moi, j'ai envie de dire. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ah, c'est chez toi, Mariam, le bruit. Le bruit est bien chez toi, Mariam. Alors, attends 30 secondes. Donc, moi, j'invite les hommes, hein, même si vous êtes au Mali. Pour moi, la cuisine, c'est pas une corvée. C'est j'aime. Moi, j'aime manger. Et du coup, bah, à force de manger, en fait, j'ai appris à faire ce que j'aime. Et même si je vais vivre au Mali, peut-être que je vais cuisiner moins parce que ça fait pas partie de la culture locale. Mais je veux continuer à cuisiner. J'aime bien. J'aime bien les barbecues. J'aime bien cuisiner tout ce que j'aime. Et donc, je ne pense pas, en plus, si on ne doit pas laisser nos femmes seules cuisiner, des fois, il faut qu'elles se reposent. Et il faut faire à manger pour les enfants, pour les amis, pour la famille. Pour moi, c'est un plaisir. Après, je ne sais pas pour tout le monde, tu vois. C'est important que tout le monde mette la main à la pâte dans la famille. Voilà. Si on a la chance, par exemple, d'avoir des machines pour faire pour faire la vaisselle, des machines pour faire le linge et tout. Il reste la cuisine. On peut quand même y mettre un peu la main pour le faire. Voilà, donc moi, j'invite tous ceux qui aiment cuisiner de sauter le pas. Vous commencez un jour. Les gens vont, surtout au Mali, les gens vont certainement rigoler. Mais après, c'est intéressant que, tu vois, ta femme, elle est au boulot, elle rentre, elle trouve que tu as fait à manger. Enfin, je trouve que c'est beau, c'est mignon. Voilà. On n'est pas là pour faire souffrir les femmes. Ce ne sont pas nos ennemis, ce ne sont pas des esclaves. Nous, autant on va travailler, autant elles vont travailler. Autant quand on rentre, on aime bien que tout soit dans l'ordre, la bouffe, elle est prête. Et ben, le jour qu'on rentre à la maison avant les femmes,
ça casse pas trois pattes à un canard de, d'avoir fait à manger, fait la table, qu'elle aussi mange, tu vois. Des fois, c'est plus intéressant de donner que de recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, essayez. Ça tue personne, la preuve, je suis là, je suis vivant. Donc voilà, voilà. On va terminer sur les images de Bamako. Donc Mariam, on va se reposer et puis on débrief après. Ok, bon. Sadio, Sadio, à dimanche prochain. On n'entend pas Sadio, bon, c'est pas grave. Allez, à dimanche prochain.